Bonjour tout le monde, ici Picapof QC pour un autre épisode de Dungeon and Dragon. Je me souviens mieux que je le disais en français. Donjon et Dragon. The Dark Aliens, qui a le même nom que Baldur's Gate Dark Aliens, qui est en fait la même. C'est Donjon et Dragon, les deux. Donc, on va continuer ça. On va faire le troisième niveau du premier chapitre. Compagnon de Valbise. Exploration de Tundra. J'aimerais savoir tout le set de Tundra, ça serait nice. Donc, on est rendu à l'acte 3. Les durs gars que nous avons affrontés n'étaient que des légions d'avant-garde à l'approche du pont de Bangor, unique passerelle vers l'Outre-Terre. Les sapeurs nains avaient provoqué l'effondrement de passages et de tunnels sur tout le domaine, mais ils n'avaient pu atteindre le pont. Tout reposait sur nous. Détruire le pont de Bangor allait bloquer l'armée du Ergar en Outre-Terre. Mais d'abord, nous allions devoir affronter la force d'élite du Ergar qui en gardait l'accès. On en serait rendu à Gardien. On va essayer à Gardien, on va voir la difficulté, toi. Non, vous inquiétez pas. J'adore rester assis à rien faire. À date, j'aime le jeu. J'adore le jeu même. Le fait que IGN, exemple, a mis 3 sur 10. Ça prouve qu'il ne faut pas écouter les autres. Il faut vraiment que tu joues le jeu toi-même. Et puis... ouais. La perte de notre demeure reste une tragédie. Mais trucider l'envahisseur m'offre au moins l'occasion de montrer ma gratitude à Bruenor et aux nains pour leur bonté. J'ai pas de cette quest. Dans celle-là. Je peux juste accéder au pont. Fait que d'abord, c'est un méga boss, peut-être. Mais ouais, ça prouve que vraiment, vous devez essayer les jeux par vous-même. Vous pouvez regarder des reviews. Vous pouvez, mais. Souvent, les du monde qui vont dire que c'est de la merde, puis la majorité du jeu, tout le monde dit que c'est de la merde, moi j'aime ça. Ils vénèrent la pierre comme si elle était vivante. Elle est vivante, d'une certaine manière. Elle a une voix et une volonté. Parle-tu poilu et pustuleux de Moradine. Pourquoi tu ne te joins pas à eux? Doit être prêt à accueillir les guerriers marchandaires quand ils viendront reprendre la semaine. Il me voit pas. Il me voit vraiment pas. Les nains! Leur défense n'ont servi à rien si ce n'est nous agresser. Un voleur dans notre antre! C'est quoi ça? Nouvelle attaque que j'ai probablement débloquée. Les adorateurs du cristal, ces sales stygiens, et même un gros maintenant. Les généraux,
Il ferait mieux de faire claquer les fouets. On trime depuis 5 ans. On peut bien tenir quelques heures de plus. Tant que les marteaux de guerre reviennent pas avant l'arrivée de nos armées. Protégez cette position! Oh, c'est intéressant. Des flèches, pique! Ça me prend la stamina pour, par exemple, faire ça. Qu'est-ce qui justifie que les Duergars fassent de ce chemin mon éclat? Leur cupidité est notoire. Au moins, ils nous auront débarrassés des nains. Et ils se sont bien ancrés. Si leurs armées atteignent la citadelle, ça va devenir gênant. Cela c'est quoi, les autres? C'est quoi, les autres? Donnez-lui comme des sabots! C'est quoi cette affaire-là? Ils font mal en tabarnak. Là. Non, on va pas par là. Il reste 3 tués. Déjà un pied dans notre citadelle. Mais si leur armée atteint le pont de Bangor, on perdra notre demeure à tout jamais. Thank you.
Un coffre, puis des patentes. Tablette. C'est bizarre. Dégommer du vilain, on s'en lasse pas. Ils sont-tu cons ou ils sont avec moi? Ils font mal. Bug, il retourne. Mais c'est pas grave, ça peut. What the fudge? Admettre que c'est un peu rough, mais ça va. Bon, c'est parce qu'il a raison. Je pisse le sang, je suis même mort, ça quand même. Faut réduire ça d'un cran, d'après moi. Parce qu'en deux ennemis, tu tabasses, pis. Tu meurs, là. Je vais garder ça à héros. Pas plus que ça pour l'instant.
c'est une question de s'adapter. Hein. Probablement qu'ils disent de mettre ça plus difficile, mais. Je vais mettre ça à héros. On va garder ça à héros. Puis on va essayer. En même temps, je vais acheter des potions de vigueur. Je sais pas trop. Je vais voir ces potions à lui, c'est quoi qu'il va vendre. Potion d'endurance. Ah, je peux pas avoir ça. C'est verrouillé. Déverrouillé. Ok. Ouais. Ça peut faire l'affaire. Tain. Très bon on va choix. Tout débloqué. Je peux pas tout débloquer, c'est pas j'ai rien dit. Rend 10% d'endurance. Alors, niveau 2, rend 20% d'endurance. On peut modifier les, allez, les potions. Allez, à bientôt, Cathy. C'est intéressant. Fait que tu peux modifier tes affaires. Vraiment, tu peux vraiment tout modifier. Tu peux modifier ton équipement, tu peux upgrader ton équipement, tu peux modifier tes habiletés, tes stats. Même les items que tu vas trouver, les consommables, c'est vraiment intéressant. Okay. Mais je sais pas c'est quoi ces types d'ennemis-là avec des épées de glace. C'est pas des Durgurds en tout cas, je penserais pas. La perte de notre demeure reste une tragédie. Maître Cid et l'envahisseur m'offrent au moins l'occasion de montrer ma gratitude à Bruenor et aux nains pour leur bonté. Fait qu'on a pas de ça être quoi avec cette mission là. Tout le monde se radine pour chercher. On a même qui viennent des autres foutus plans. Des adorateurs du cristal. C'est sale. Hey. Wow. Je meurs pour le clan. C'est pas juste des patients de soins qui vont me donner là. Par exemple, si je pogne un truc d'endurance, c'est ça augmente, la barre elle remonte, ok parfait. Intéressant. Ça pourrait dire que les adorateurs du cristal aient déjà localisé l'éclat. Bah, s'ils l'avaient trouvé, ils seraient en train de brailler de triomphe et on le saurait tous. Vénère la pierre comme si elle était vivante. Elle est vivante, certainement. Un ennemi en approche. Mario, go. Parles-tu poilu et pustuleux de Moradine? C'est eux autres, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Ah, ils font vraiment mal. Même au niveau que je suis, là. Je suis pas capable. J'essaie de faire un dodge, puis je recule vers eux autres, je comprends pas.
sais pas c'est quoi ces ennemis-là, là, mais ils sont dégueulasses. Qu'on réapparaît ça. Et me voilà parti détruire le réseau de ponts que Bruenor a baptisé en l'honneur de son père. J'espère qu'il pourra me pardonner. Les ennemis, ils réapparaissent-tu? Ces imbéciles ont intérêt à doubler la peine. Ouais. Attends, c'est pas la mort. Les stygiens ne mangent pas. Moi non plus, mais... Oh les gardes, on pourrait avoir des alliés. Non, c'est vraiment des ennemis vraiment difficiles. Pour ça. Ainsi soit-il. C'est pour ça qu'il faut, comme tu joues à ce jeu-là, il faudrait que tu joues à plusieurs de temps en temps. C'est l'heure de la bagarre. Là, je suis une princesse. Les Duergar ont déjà un pied dans notre citadelle. Vu que mon père, c'est le roi des nains, on perdra notre demeure à tout jamais. J'ai été adopté. Intéressant. J'ai été adopté par les nains. Ok, ils sont un petit peu moins épais de même. Ils font mal quand même. Mais ils sont gérables. Faut que je fasse attention. Un petit peu plus de trucs pour le l'ulti. Wow, je vais le surveiller celui-là. Oh shit. Un chef.
C'est-tu un autre embrasé, ça? Il est mauve. Je sais pas. On est capable de le faire sans faire de short rest, c'est pas mal sûr. Il y en a trois doutes qui vont apparaître. Je sais pas. Fais attention. On va allumer un petit peu de lumière. Que je puisse voir. Aussitôt que je vais arriver ici, pour m'apparaître, c'est ça. Chose manque. Je dois avoir un tonneau ou quelque chose. J'avais le choix entre péter ça ou péter ça peut-être. Quelque chose de gros. Bonjour monsieur, c'est quoi ça? Un troll? Pas de quartier avec cet adversaire. C'est quoi ça? C'est pas un shambling monde, c'est sûr. Ça prend un éléphant. Nous pouvons négocier. Je vais me dire, c'était quoi ça? J'ai le tonneau explosé. Quelque chose va sortir d'ici, aussitôt que je vais pogner ça. Non, même pas. Les Dougers de là-bas. Oh, attends.
tombe. J'ai pas trouvé beaucoup de coffres avec des items dedans. Là. Hey! Les laquais de la douguerre! Ah, j'ai fait ça. Oh ouais. Enfoiré. Je déteste ça. Ok, là, ça va faire. À mon outil. Ah, il se téléporte les cris. Il fait mal. Il fait mal, c'est un fait. Je sais pas c'est quoi ce maudit cercle-là. Attends, oh. Oh, parce que ça se met pas en pause, lui. Bizarre le bouclier top obtenu. Jesus! Pas c'était quoi ce style là? Il m'a infligé. Il m'a infligé deux affaires. Corrompu et maudit. Tain, vous autres. Oh, fuck. Wow! Je vais pas mourir. Je vais se mourir.
ça, je sais pas si une équipe joue à ça. Tabarnak. C'est assez intense. Assez intense. Endroit secret. Que j'entends. Oh, boss time, c'est-tu? Une belle cinématique en tout cas. On a des nestis d'armée là, gars. Allons, Kessel! Tu as tenu l'éclat dans tes propres mains! Kelvin! Il est tombé sur le cairn de Kelvin! Où ça? Je ne sais pas. Pitoyable. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. On tiendra. C'est quoi, c'est des nains, ça, qui arrive? Non, c'est des Dougers, je pense. 20 gardes et Mundum. Je suis avec toi, mon frère. Double boss. Ok, ouais, je vois ce que c'est cette affaire-là. C'est fun. Faut que je tue le soldat avant l'autre. J'attends que l'autre soit exténué. Shoot ta cri. Excessif comme boss battle.
pas gênante. On va s'en occuper. Oh, si c'était pas pour... Non, va pas vers lui. Oh my god, c'est... Ok. Aïe, j'ai du mal. Ok, je suis mort. Je suis pas capable de contrôler mon bonhomme. J'ai plus de potion, rien. Là. Pour les marteaux de guerre! Faut que je toffe. Faut que je toffe. J'attends que j'aille mon cœur. Comment ça se fait que j'ai pas eu de potion? J'avais plus de potion pendant tout. J'avais vu qu'il lance ses boules qui se téléportent dans ma face comme un malade mental. Il est mort, on va bien aller. Oh my god! Va pas vers lui, décalise de lui! Oh my god! Le dodge est stupide. Genre, je dodge vers lui à tout le temps. Il est mort. Il est comme Jen, là. Ennemis vont s'apparaître. Oh, bon, y en a.
Ok, on va voir. On l'a eu. Oh, l'éclat, il appelle. Et ceux qui en sont dignes viendront. Ils entendent l'appel. Pensez qu'il sera pas mort. Ah, il est clairement pas mort. Je sais pas ce qui va se passer avec lui, là, mais... C'est qui? Ah, s'il est pas beau. La demeure de Bruenor n'était plus que ruine. Et la destruction du pont de Bangor, baptisé en l'honneur de son père, constitua un lourd fardeau. Les nains durent abandonner leur vallée, chassés de chez eux par les gobelins et les vermis survivants des armées de Kessel. Ces menaces, et d'autres pires encore, avaient répondu à l'appel de Crenshinibon. Nous étions le dernier rempart. Entre ces créatures, l'éclat et la destruction totale de notre pays, le Valbise. On a fini le premier chapitre. Le premier niveau. Garn et Mordun, vaincus. Il était quelque chose. J'aime que les boss sont quand même assez complexes puis difficiles, là. Je vais augmenter la force d'un cran. X plus carré tend maintenant vers l'avant. De bonnes instances aux états. Tiens, augmentez ça. Pillard stygien de la tribu de la chèvre. La tribu régate de la chèvre a passé des millénaires en Stygie, la cinquième strate des neuf enfers.
La nature des événements qui ont conduit toute une tribu à se mettre au service de Lévi-Situ s'est perdue dans les limbes du temps. Mais il a sans aucun doute fallu quelque pacte infernal pour lier la tribu à l'archidiable. À l'image de leur homologue du Val, les pillards de la tribu de la chèvre tiennent fierté de leur prouesse martiale et de leur force physique. Le fouet des tourmentaires infernaux les a endurcis bien au-delà de ce que le pire hiver du Val-Bise peut faire sombrer un être humain. Ayant fait preuve de leur bravoure sur les lignes de front d'Averne, les guerriers tribaux ont reçu des pouvoirs magiques limités afin de mieux servir la hiérarchie stygienne. On les surnomme les pillards de la chèvre ou par mépris, les chèvres. Lévi-Situ les a déployés en masse dans le Val-Bise afin qu'ils fassent cesser le chaos consécutif à la chute d'Akaz Kessel et mettre la main sur le clan en son nom. J'ai failli me mettre au tricot, tiens. Mais, je me suis ravisé. Oh, on a un trophée. Garn et Murden. Ces deux frères gardaient l'accès au pont de Bengor au sein d'un avant-poste de deux gueules censés assurer leur percée dans le Val pendant que leur armée remontait d'outre-terre. Ça veut dire que... Il y a 8 niveaux? Donc, attends, 1, 2, 3, 4. J'ai un chariot plein de bonnes camelotes. Il y aurait 9 tableaux, à peu près. Ou 6, ça peut être. Non, 10. Il y aurait 10 chapitres. Make sense. Arc de ravageur goblin. Ce que j'ai maintenant, c'est ça. Cuirasse de princesse Matogar. Pas grand chose d'intéressant. Salut l'archère. Attention, on ne reprend pas la marchandise. Marché conclu. Mais bien sûr, je la prends votre camelote.
sûr, pourquoi pas. Une vraie affaire. Si pour moi, vous auriez pas dû. Je peux te changer l'aspect. Bon, vous prenez ou quoi? Monnaie, monnaie, monnaie. Parfait, ça. Bien vu. Attends, on va tout débloquer. Bon, vous prenez ou quoi? On va booster passion de santé. Parfait, ça. Ça. Très bon choix. Le Val va pas se sauver tout seul. Ça, c'est beau. Ok, donc là, on a trois zones qu'on peut faire. Faire éclat, l'éclat du gobelin. Un gobelin du nom de Hambog prétend avoir trouvé l'éclat et s'est approprié une section de la vallée des nains où sa horde lui bâtit une tour de cristal. Les Duergar que nous. Des gobelins avaient entamé la construction d'une tour pour asseoir leur occupation du domaine de Bruenor, et ils avaient commencé à se déployer dans toute la vallée depuis la citadelle. La première étape de l'éradication des gobelins consistait à faire irruption dans leur fort, à l'entrée des quartiers de Rougrim. Nous allions devoir rassembler des explosifs pour nous y frayer un chemin, avant d'éliminer le contremaître et sa brute vermille. Donc on va continuer ça au prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir été là tout le monde, pika pika à tous, et à la prochaine.